الله أكبر الله أكبر Le Coran rapporte avec précision la vie du prophète Moïse. Tout comme il retrace le conflit entre Pharaon et les enfants d'Israël, le Coran révèle des informations précieuses sur l'Égypte ancienne. La signification de nombre de ces faits historiques a attiré seulement récemment l'attention des érudits de ce monde. Si l'on considère ces points en faisant appel à notre raison, il devient très vite évident que le Coran et la fontaine d'informations qu'il contient ont été révélés par la sagesse de Dieu, car il correspond aux découvertes scientifiques, historiques et technologiques contemporaines. L'un des personnages dont le nom est mentionné dans le Coran, dans le contexte de Pharaon, est Aman. Il est mentionné en 6 endroits différents du Coran, qui nous informe que c'était l'un des plus proches alliés de Pharaon. Curieusement, le nom de Aman n'est jamais mentionné dans les chapitres de la Torah, se rapportant à la vie du prophète Moïse. Cette information dans le Coran est en accord avec les découvertes archéologiques faites des siècles plus tard. Jusqu'au XVIIIe siècle, les écritures et les inscriptions de l'Égypte antique ne pouvaient être décryptées. La langue de l'Égypte antique utilisait des symboles et non des mots, les hiéroglyphes, qui étaient oubliés il y a des siècles. Le mystère de ces hiéroglyphes égyptiens antiques fut levé en 1799, grâce à la découverte d'une tablette appelée la pierre de Rosette, daté de 196 avant Jésus-Christ. Avec le décodage des hiéroglyphes, une partie importante de la connaissance a été révélée. Le nom Aman était en effet mentionné dans des inscriptions égyptiennes. Cette même inscription indiquait aussi la relation très étroite qui existait entre Aman et Pharaon. Dans le dictionnaire People in New Kingdom, basé sur l'ensemble des inscriptions, Aman est mentionné comme étant le chef des carrières de pierre. Le verset coranique, décrivant l'événement relatif à la demande faite par Pharaon à Aman de construire une tour, est en conformité parfaite avec cette découverte archéologique. Et Pharaon dit « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. » Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être, alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. La découverte du nom Aman dans les écrits égyptiens antiques a encore une fois confirmé la nature infaillible du Coran, la parole de Dieu. Miraculeusement, le Coran nous fournit une information historique qui ne pouvait ni être détenue, ni comprise à l'époque du prophète.